Bonsoir, bienvenue à Tenerife, merci d'être avec nous pour cette soirée consacrée à la littérature en Sardaigne. Là, on a décidé de se concentrer sur la Sardaigne. Ce soir, on commence ce cycle, cette série de manifestations, en parlant de la littérature, de la relation des écrivains avec cette île. On a avec nous trois écrivains très importants. Donc, avec nous ce soir, on a Milena Agus, que vous connaissez. Elle a écrit 8 romans, donc le plus connu qu'elle a lancé ici en France et en Italie aussi. C'est Mal de Pierre en 2007, auquel ont suivi d'autres. Avec elle, Marcello Frois, qui est là, que vous connaissez bien. Depuis au début des années 90, il écrit des romans, il écrit une trentaine de romans. Son premier roman, Un silence des fers, est sorti en Italie en 1992, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, donc, il y a eu une trentaine de romans qui ont gagné beaucoup de prix. Et enfin, avec Milena Agus et Marcello Frois, Alessandro de Roma, qui a écrit 5 romans, donc 3 qu'ils ont traduits en français chez Gallimard, Vie et mort de Ludovico Lauter en 2007, La fin des jours en 2008, et plus récemment, Tout l'amour dans les arbres, traduit par Vincent Reynaud, toujours aux éditions Gallimard. On va essayer de parler un peu de la littérature en Sardaigne. Et voilà, moi j'avais une première question pour vous tous, qui est un peu celle-ci. Est-ce que pour un écrivain comme vous, qui est lié à vous tous les trois, vous avez vécu, vous vivez en Sardaigne, vous avez un lien très étroit avec cette région. Est-ce que parler, raconter cette région présente des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre relation avec cette île, cette terre, sa tradition, ces hommes et sa nature qui complique particulièrement les choses? Devo iniziare dicendo una cosa molto importante, cioè che la mia situazione rispetto alla Sardegna è diversa dalla loro, perché io non ci sono nata, sono nata a Genova e ho passato l'infanzia in continente fra Genova e Milano e quindi ho vissuto tutta l'infanzia nel mito della Sardegna. Abito in Sardegna da quando ero in quinta elementare, però c'è da dire che per tutta l'infanzia, per esempio, mia mamma diceva vedi figlia mia com'è bella Genova, ma è perché assomiglia a Cagliari. Quindi io anche da bambina è vero che mi trovavo a Genova e mi trovavo a Milano, però ero una sarda convinta, orgogliosissima. Sì, io ero già orgogliosa allora di Grazia Deledda, sentivo il Nobel, ma come tutti noi sardi il Nobel della Deledda lo sentiamo dato a tutti noi. Come scrittrice, quello che mi accomuna a loro è l'essere, come dicevano, l'essere orgogliosa della Sardegna, essere legata, avere la nostra scala di valori, no? Per esempio parlo anch'io del tradimento fatto alla Sardegna, il tradimento per esempio fatto alla natura sarda, di cui parlano moltissimo anche loro, per esempio. Est-ce que raconter justement peut-être cette trahison, est-ce que c'est plus difficile, est-ce que c'est particulier à la Sardegna, est-ce que pour un écrivain aujourd'hui écrire de la Sardegna pose des questions particulières qu'il ne se pose pas ailleurs? Sì, io intanto sono nuorese, no? Sono di Nuoro, quindi sono la terza generazione, diciamo così, dopo Grazia Deledda e Salvatore Sappia, cioè dopo Canne al Vento e Il Giorno del Giudizio, per intenderci. Questo ha significato, proprio da un punto di vista del senso del luogo, un disincanto sempre maggiore. Credo che, appunto, per rispondere
puntualmente alla domanda, uno dei pericoli che noi corriamo sia proprio quello dell'autoturismo, dell'autofolklore, non so come dire, cioè rischiamo di essere noi i primi consumatori dell'idea anche sbagliata che sia di noi. Alessandro, et toi, comment tu te poses dans le mythe, l'idée que tout est beau, enfin que tout est beau, enfin, en tout cas cette mythe de la Sardaigne dans laquelle Milena vit, et ce désenchantement de la part de Marcello? Toi, tu as vécu à l'étranger, tu as même vécu en France pendant une certaine période, et puis tu es retourné vivre en Sardaigne. Voilà, alors entre enchantement et désenchantement, quelle est ta relation avec cette terre, cette île? Alors moi, je suis né en 1970 et j'ai eu une expérience un peu différente parce que moi, quand j'étais gamin dans les années 70 et après adolescent dans les années 80, pour moi la Sardaigne c'était plutôt une prison des fois. J'avais vraiment envie de voir autre chose, de m'échapper un peu de l'île. Et donc je suis grandi avec ce désir de voir autre chose, de passer à autre chose. Et enfin, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'appartenir à cette île, parce que je l'ai choisie. Pouvoir regarder ailleurs, ça aide énormément à se construire, en fait, en vrai bien. Donc moi, je pense que c'est vraiment très important de partir et revenir. Ton travail d'écrivain, les quelques romans que tu as écrits qui parlent de la Sardaigne, t'ont aidé dans ta recherche. Est-ce que l'exercice de l'écriture sur cette réalité t'a permis de la mieux regarder, ou t'as conduit à changer ton point de vue sur certaines choses, sur certains points? Là, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est le fait que souvent les écrivains sardes, ils racontent des histoires qui se passent en Sardaigne, mais ils préfèrent d'utiliser des noms des villages qui n'existent pas, en fin de compte, ou même des villes qui n'existent pas. Et moi, j'y tiens beaucoup, par exemple, à nommer exactement les villages avec les vrais noms, et même les rues, les noms du bar, du restaurant, exactement comme ils s'appellent. Je trouve que c'est très important de nommer les choses avec leurs noms, parce que souvent, les problèmes en Sardaigne, bon, pour moi, quand j'étais gamin, c'est le fait que cette identité, c'est tellement forte que tu te sens obligé de l'aimer, même si tu ne l'aimes pas encore. Et Marcello, justement, à propos de toujours un peu cette recherche, tu as éprouvé le besoin de raconter des histoires qui commencent, qui remontent au 19e siècle, comme s'il y avait une espèce de quête, je ne dis pas des origines, mais enfin, en tout cas d'un passé. Est-ce que pour toi, ce travail entre la modernité de certains de tes romans et le passé de certains autres a été justement pour toi aussi une façon de retrouver la vraie identité, ou enfin, celle qui est pour toi la vraie identité de la Sardaigne, ou non? Non, perché io sono, come dire, contrario per legge proprio al concetto di identità. Da questo punto di vista sono uno scrittore, un narratore naturale. Vorrei essere. Io mi concepisco come un narratore ottocentesco. In letteratura tre cose non hanno praticamente senso: la felicità, il tempo e la verità. Queste tre cose in letteratura proprio non hanno nessuna utilità. Spesso i miei romanzi più contemporanei, paradossalmente, sono quelli ambientati nel passato. Perché mi interessa moltissimo l'idea che un lettore veda quanto siamo disperatamente ripetitivi noi umani. Milena, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on n'a pas besoin du bonheur, du temps, de la vérité en littérature? Sì, anche i miei libri parlano di tutto ciò che è infelice, di tutto ciò che è a volte tragico, è pieno di suicidi. Io ho bisogno però che questi deboli, che queste persone che vivono delle situazioni tragiche, che questi poveretti abbiano una riscossa. Tutti i miei libri raccontano di personaggi emarginati, infelici,
che però stranamente, per qualche strana ragione, la spuntano. Ah, e pour terminer, je vous rappelle donc à nouveau Milena Aguster, promise aux éditions Liana Levi, Marcello Foris, comment nous dire adieu aux éditions du Seuil, et Alessandro De Roma, tout l'amour est dans les arbres chez Gallimard. Mais pour conclure, et avant de remercier nos amis, Marcello, c'est à toi. Ah, dite che schettiniamo, cosa vuoi che ti dica? Allora, devo guardare, provenire questo incontro, che preferio d'essere pessau comente un buon milanese, no? Che non un usardo malo. Grazie. No, preferisco essere considerato un buon milanese che un pessimo sardo. Voilà, e su ces mots, su cette sagesse di Marcello, vi ringrazio di avermi seguito, Marcello, Alessandro.